Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'exercice de la conjugaison. Le passé composé des verbes en ER. Vous êtes prêts? Alors, on commence. On fait tout d'abord un petit rappel. Le passé composé est un temps du passé. Il se compose de deux éléments. L'auxiliaire avoir présent plus le participe passé du verbe. Passons donc à la correction de l'exercice. Je réécris les phrases suivantes au passé composé. La première phrase, Jacques grimpe la racine géante. Où est le verbe dans cette phrase? C'est grimpe, très bien. Qui peut me donner l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe grimper. Très bien. Grimper au passé composé, qu'est-ce qu'on va dire? Jacques a grimpé la racine géante. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Vous racontez une amusante histoire. Oui, où est le verbe? C'est raconter. Très bien. Qui peut me donner l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe raconter. La terminaison? ER. Très bien. Le verbe raconter au passé composé, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez raconté une amusante histoire. Bien, on passe à la dernière phrase. Elle récite un verset coranique. Où est le verbe? Récite, très bien. Qui peut me donner l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe réciter. Au passé composé, qu'est-ce qu'on va dire? Elle, très bien. Regardez, elle au pluriel. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Elles ont récité un verset coranique. Magnifique les enfants, vous avez fait un très bon travail. Au revoir et à la prochaine séance.